Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On a pas mal d'informations qui concernent le mercato, dont notamment une très très grosse information qui est sur le point d'être finalisée. On n'attend plus que les signatures. Le Real va enregistrer une nouvelle arrivée. On va en parler dans quelques instants. On démarre avec le programme des quarts de finale du Mondial. Nous n'avons pas de match aujourd'hui, nous n'aurons pas de match demain. Les quarts de finale vont démarrer vendredi à 16h, un duel alléchant entre la Croatie et le Brésil. Vendredi soir, 20h, les Pays-Bas face à l'Argentine. Samedi, nous aurons à 16h un duel entre le Maroc et le Portugal. Et puis enfin à 20h, l'équipe de France affrontera l'Angleterre. On félicite Pépé qui hier est devenu à 39 ans et 283 jours le plus vieux buteur dans un match à élimination directe en phase finale du Mondial. Quasiment 40 ans pour Pépé. Il tient toujours la baraque défensivement et il se montre même décisif. Hier, à la suite d'un corner, il est venu placer son coup de tête. Le Portugal a atomisé la Suisse sur le score de 6 buts à 1. Beaucoup de qualité côté portugais avec un Cristiano qui était sur le banc de touche. Et on a bien vu hein, que voilà, le Portugal se porte très très bien sans Cristiano hein, parce que ben, on a vu aussi la prestation incroyable de Gonçalo Ramos, auteur d'un triplé de grande qualité hein. Les trois buts sont vraiment de très jolis buts de la part de Ramos. En tout cas, bravo à Pépé, ancien joueur du Real Madrid, qui retrouvera donc le Maroc au prochain tour. On continue avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Santiago, le clap de fin pour la sélection espagnole. Je vous en ai parlé déjà depuis quelques jours, hein, les amis. Pour moi, ça avait tout du match piège pour l'Espagne d'affronter la sélection marocaine. Tout ce que j'avais pressenti, hein, moi je m'attendais typiquement à ce genre de match. J'ai pas du tout été surpris de voir cette rencontre hier très fermée où on a quasiment aucune occasion. Il y a eu quelques situations, oui, il y en a eu évidemment sur 120 minutes jusqu'aux prolongations. Mais quand vous regardez les stats de la rencontre, hein, il n'y a quand même pas beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Et on a l'impression que les Espagnols, ils sont surpris d'avoir eu ce match hier. Donc c'est terminé pour l'Espagne. Le quotidien Marca qui titre « El Mundial nos viene grande ». Le Mondial était trop grand pour nous. Franchement, quand on regarde au final cette Coupe du Monde de la sélection espagnole, pour moi, c'est un très très gros échec. Hormis la victoire 7-0 face au Costa Rica, tu as sorti un match satisfaisant face à l'Allemagne, mais tu as quand même beaucoup souffert sur les 20-25 dernières minutes. Tu es battu par le Japon. Tu n'arrives quasiment pas à te créer de situation hier face à la sélection marocaine. L'Espagne toujours avec les mêmes mots dans son football. Cette hyper-possession stérile, cette équipe tout simplement de handball. L'Espagne n'a toujours pas compris que le football ce n'est pas du handball. L'Espagne, pour moi, elle vit sur ses succès acquis en 2008, 2010, 2012. Le football a évolué depuis 10 ans, mais ça, la sélection espagnole ne l'a toujours pas compris. Regardez un petit peu ce qui s'est passé pour les merengues hier. 63 minutes pour Marco Asensio. Dani Carvajal n'a pas joué. Encore deux joueurs du Real Madrid hein, qui sont donc éliminés de la compétition. Une petite déclaration de Rodri. On va parler brièvement de ce match, mais voilà, on est surtout là pour parler du Real. Mais voilà, pour montrer à quel point les Espagnols n'ont qu'une idée en tête, n'ont qu'une philosophie, c'est la leur. Il n'y a que la leur qui peut fonctionner. Et pourtant, tout ce qui se passe depuis de nombreuses années va dans le sens que l'Espagne n'y arrive plus de cette manière. Regardez cette déclaration de Rodri qui nous dit « Le Maroc n'a absolument rien proposé. Dans le jeu, ils n'ont rien fait. » Eh bien, c'est très bien, très bien. Continuez de penser comme ça. Rodri, qui avait déjà manqué de respect à tout le monde il y a une quinzaine de jours en disant « On est meilleur collectivement que toutes les autres équipes de ce Mondial. » Ils l'ont pris en pleine face hier face à la solidité marocaine, face au courage, l'abnégation et aux qualités offensives des Marocains. Parce que oui, le Maroc a défendu, a joué avec ses armes, avec son style. Mais ils ont eu des situations aussi, les Marocains. Faut pas croire que l'Espagne a eu 50 occasions hier. Il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous les dents hein, côté espagnol. Et pourtant, on a eu beaucoup de joueurs de la sélection espagnole hein, hier qui nous ont sorti ce genre de choses. On a fait un bon match. On n'a pas à regretter ce que l'on a fait.
L'Espagne ne se remet jamais en cause. Elle ne doute pas d'elle. Pourtant, tous les résultats des dernières grandes compétitions font qu'à chaque fois, la sélection espagnole bute sur ce genre d'équipe. Mais il n'y a absolument aucun moyen pour la sélection espagnole, visiblement, d'imaginer ou d'envisager une autre façon de jouer, de varier un petit peu son style. Parce que hier, c'est très bien, ils ont encore une fois 75% de possession de balles. Mais pourquoi? Ils n'ont quasiment aucune occasion dans cette rencontre. 75% de possession, avoir fait plus de 1000 passes. Si ça rend heureux les joueurs de la sélection espagnole, tant mieux pour eux. Mais au final, on voit bien que depuis une dizaine d'années, ça ne te permet pas de gagner des titres. C'est, je trouve, un terrible de la part de certains joueurs de la sélection hier qui ont donc été interviewés, de ne pas rendre hommage, de ne pas dire que le Maroc a sorti un gros match hier. Les Marocains, ils ont joué avec leurs armes, mais ça, du côté de la sélection espagnole, on n'arrive pas à le comprendre, puisque on est très très arrogant, je trouve, dans cette sélection espagnole. Donc voilà, moi je suis assez heureux de l'élimination de l'Espagne, parce que je trouve que cette sélection espagnole, elle manque d'idées, et comme je viens de le dire, je trouve que certains des hommes de Luis Enrique sont parfois beaucoup trop arrogants. Ils l'ont pris dans la tête hier. On continue, les amis, avec la liste des joueurs du Real Madrid qui sont encore engagés en Coupe du Monde. Luka Modric avec la Croatie, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga avec l'équipe de France, Vinicius, Rodrigo et Eder Militao avec le Brésil. On aura déjà vendredi soit un ou trois joueurs du Real Madrid qui vont partir en vacances, puisqu'on aura ce duel déjà entre la Croatie et le Brésil. Et puis bah, on aura aussi l'équipe de France face à l'Angleterre, donc peut-être qu'à la fin de semaine, hein, on aura déjà beaucoup beaucoup moins de merengue du côté du Qatar. 6 joueurs du Real Madrid sont donc éliminés, il n'en reste plus que 6, on vient de regarder les 6 qui sont encore engagés. 6 sont éliminés: Asensio, Carvajal, Courtois, Hazard, Rüdiger et Fede Valverde. Petit message sur son compte Twitter de Rodrigo, puisqu'on en a parlé, le Brésil va retrouver la Croatie vendredi à partir de 16h. On va se voir, papa. Vous savez très bien que Rodrigo considère Luka Modric comme l'un de ses grands frères. Lui, il l'appelle papa, mais voilà, il a une relation très spéciale avec Luka Modric. Ils vont se croiser vendredi sur les pelouses. Alors, je ne sais pas si Rodrigo sera titulaire. On ne va pas se mentir, hein, il y a 99,9% de chances que Modric soit titulaire avec la Croatie. Rodrigo, lui, pour le moment, ce n'est pas encore un titulaire indiscutable côté brésilien. En tout cas, il aura certainement du temps de jeu. On va continuer, les amis, donc avec les informations Mercato. On en a parlé hier, le Real Madrid sur le point de finaliser le dossier Hendrick. Sur les dernières 24 heures, nous avons eu des informations complémentaires, notamment de Fabrizio Romano, qui nous annonce cette fois-ci que le Real Madrid est en train de clore l'opération Hendrick. Les négociations sont arrivées dans les dernières étapes, il ne manque quasiment plus que la signature. Voilà le prix qui va être donc offert par le Real Madrid et la somme offerte par le Real Madrid au club brésilien de Palmeiras. On discute sur les contours d'un transfert de 72 millions d'euros. Alors bonus compris, je crois que c'est une soixantaine de millions plus une douzaine de millions de bonus. C'est énorme, évidemment, les amis, pour un jeune joueur qui n'a que 16 ans. Je n'ai pas en tête, franchement, un joueur qui, à cet âge-là, a déjà coûté aussi cher. Ça va coûter 72 millions d'euros pour le Real Madrid. Autre information de Fabrizio Romano qui nous annonce que le Paris Saint-Germain avait pourtant transmis une offre plus intéressante au club brésilien de Palmeiras, puisqu'il y a quelques jours, le PSG avait transmis une offre totale de 93 millions d'euros. Alors, ça comprenait deux joueurs. Il y a le jeune Hendrick et aussi un autre jeune brésilien, Estevao, qui est né en 2007. Donc là aussi, c'est 15 ans. Le total, c'était 93 millions d'euros. Cette offre a été refusée par Palmeiras. Il faut savoir que, visiblement, Hendrick, lui, il était aussi OK hein, pour le projet du Paris Saint-Germain. Mais au final, c'est Palmeiras qui a tranché et qui a dit non à cette offre de 93 millions d'euros. Le PSG s'est retiré du dossier Hendrick. Le Real Madrid tient la corde.
Et puis une autre information pour un petit peu varier les sources. Là, on a parlé de Fabrizio Romano hein, qui nous annonce que voilà, on est sur les dernières étapes hein, de cette finalisation du dossier Hendrick. Là, on a un quotidien brésilien, un média par exemple qui a plus de 1,5 million d'abonnés sur Twitter, UOLE Sport, qui nous annonce que donc, ça va bel et bien coûter plus de 70 millions d'euros, qu'il y a un accord verbal entre le Real Madrid et Palmeiras, qu'on est aussi quasiment d'accord sur le futur contrat d'Hendrick du côté du Real Madrid. Hein. Il y a aussi un accord entre le Real et le joueur sur le contrat, les clauses de ce contrat, et qu'au final, il ne manque juste que les signatures sur le contrat. Donc on peut quasiment le dire, hein, les amis, Hendrick sera un joueur du Real Madrid. Je rappelle évidemment aussi que Hendrick n'arrivera pas lors du mercato hivernal, il n'arrivera pas non plus lors du mercato estival. L'arrivée d'Hendrick au Real Madrid sera prévue pour l'été 2024, juillet 2024. Hendrick sera un joueur du Real Madrid. On continue avec une autre information qui concerne cette fois-ci un dossier dont on a parlé très récemment, le dossier du défenseur croate Josko Gvardiol, défenseur du RB Leipzig qui franchement m'impressionne. Hein. Il est énorme, je le trouve dans bien des aspects, pas uniquement que défensivement, je trouve que c'est un défenseur pétri de talent. Florentino Pérez veut conclure la signature de Josko Gvardiol le plus rapidement possible, puisqu'on sait déjà depuis le mercato estival 2022, donc il y a 6 mois, que Chelsea est très intéressé par Josko Gvardiol, et du côté du Real Madrid, on veut que ce dossier avance rapidement, parce qu'on sait aussi que voilà, les Blues de Chelsea n'ont pas du tout abandonné l'idée de faire venir le jeune défenseur international croate. Alors, du côté du Real, on s'est renforcé avec Rudiger l'été dernier. Ce qu'il faut se dire, hein, c'est que Josko Gvardiol, si tu réussis à avoir ce profil et ce joueur, tu pars pour une dizaine d'années au plus haut niveau, parce qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, Josko Gvardiol. Et quand on voit l'âge moyen de la défense madrilène, on est sur, je pense qu'on est sur du 27, 28, 29, voire même 30 ans. Donc si tu vas chercher Josko Gvardiol, c'est un renfort de plus, et c'est un renfort pour quasiment une décennie, voire plus, hein, quand on voit les aptitudes du joueur. On continue avec une information du quotidien Marca. Cette information, elle concerne le dossier Jude Bellingham. La Coupe du Monde réalisée par Jude Bellingham, qui est plutôt intéressante et réussie jusqu'à l'heure actuelle, fait exploser son prix. On savait déjà qu'il y avait un prix qui avoisinerait certainement les 100 millions d'euros avec ses prestations du côté du Borussia Dortmund. Avec ce mondial jusqu'à l'heure actuelle, le prix continue d'augmenter. On parle de 120, 130, 140, 150 millions d'euros. Ce sont des sommes qui ne plaisent pas beaucoup au Real Madrid. Le Real très intéressé par Jude Bellingham. Mais voilà, lorsqu'on commence à discuter de 120, 130, 140, 150 millions d'euros, visiblement ça ne plaît pas au Real Madrid. Ça pourrait mettre en péril la stabilité économique du club merengue. Donc c'est un dossier qui est très difficile, le dossier Bellingham, puisque le prix pourrait tout de même être très, très élevé. Après, voilà, hein, quand je vois que le Real va mettre 72 millions d'euros pour Hendrick, bah, je me dis, hein, pourquoi si Hendrick, qui a 16 ans, coûte 72 millions d'euros, pourquoi Jude Bellingham ne coûterait pas 120 millions d'euros? Après, voilà, ça sera la décision finale du Real Madrid, mais évidemment que si tu poses déjà 72 sur Hendrick, ça devient plus compliqué hein, d'aller mettre 120 millions sur Jude Bellingham. On va terminer, les amis, avec quelques petites informations. Premièrement, la séance d'entraînement de la veille à Valdebebas. Travail physique avec et sans ballon, exercice de pressing, de finition, et puis une fin de séance avec des frappes. On poursuit avec quelques déclarations d'Antonio Pintus, le préparateur physique du Real Madrid, qui nous dit tout simplement que les joueurs qui sont actuellement à Madrid font une pré-saison qui est assez similaire à celle que le groupe réalise lors de la reprise en été. Il nous dit aussi que, évidemment, c'est beaucoup plus simple de travailler avec les joueurs qui sont à l'heure actuelle du côté de Madrid, que les équipes qui n'ont pas beaucoup de joueurs en Coupe du Monde vont être avantagées. Il nous parle aussi du fait qu'à partir de la fin décembre, le Real va jouer tous les 3 jours jusqu'à la fin du mois de mars si l'aventure en Coupe du Roi se poursuit, et c'est démentiel, les amis, 90 jours
à jouer tous les 3 jours. C'est un calendrier qui est hallucinant pour le Real Madrid, avec tous les déplacements en plus que cela va comporter. Il nous parle aussi du fait de la chaleur du Qatar. On joue actuellement du côté du Qatar par des moyennes de 25, 26, 27, parfois 30 degrés. Le retour à Madrid, il va piquer un petit peu hein, pour les merengues. Ils nous disent que c'est aussi un problème hein, pour les joueurs. C'est embêtant. Cela les affecte parce qu'il existe des données physiques scientifiques qui montrent qu'il est différent de jouer à 15 degrés que de jouer à 35 degrés. La façon d'aborder le match est différente. Le nombre de sprints, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre d'accélérations sont complètement différents. On continue les amis avec une petite photo de Karim Benzema, toujours en vacances du côté de la Réunion. Visiblement une petite rando pour Karim. Pour le moment, toujours pas de doute, de date pardon, sur le retour de Karim du côté de Madrid. Même si, voilà, ça, là on est sur une question de quelques jours, hein, puisque... On rappelle tout de même que le Real, dans 25 jours, sera de retour sur les terrains. Donc voilà, Karim, hein, il va faire son retour à Madrid incessamment sous peu. On termine avec cette petite information qui concerne le fiston de Thibaut Courtois et aussi le fiston de Lucas Vázquez. Les deux sont officiellement inscrits à l'Académie du Real Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao.